Salut les mutants, c'est Didio Fit de la Marvel Team. Salut les mutants, c'est Pimous de la Marvel Team. J'ai dit les mutants. Ouais, c'est parce qu'ils sont un mutant, frère. Pimous tout court, frère. Donc c'est pas Fitness Fusion. Là, c'est Marvel Fitness. C'est ça, Marvel Fitness Fusion. Fitness Fusion a décidé... Approche, vas-y, tout à l'heure, tu fais le mec bizarre. Non, c'est normal. Il est possédé, frère, tu t'attendais à quoi? Donc Fitness Fusion a décidé de prendre une pause. Ça fait plus de 28 jours qu'ils n'ont pas publié une vidéo sur leur chaîne. Qui leur prend? On est occupé, frère. En ce moment, on a vraiment beaucoup de projets sur le feu. C'est compliqué de tout faire en même temps. Mais comme d'habitude, on vous tient au courant cette affaire. Elle est incroyable. Ça fait plus d'un an que ça dure. Et aujourd'hui, très très bonne nouvelle. Vraiment des nouvelles de fou. Victoire de la Marvel Team. Ah franchement. Et c'est bizarre. Normalement, c'est les guerriers. On a à fond derrière. On a deux moi, chaînes. Moi, j'aime trop. Qu'est-ce qu'on devait dire? Bon, on va juste les tenir au courant, Zubi. On va leur dire ce qui se passe, frère. Ouais, donc si on poste cette vidéo, c'est pour vous dire que Marvel a gagné l'appel. Il n'a pas gagné, c'est encore reporté au 2 juin. Mais... Donc pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo de Pimous, Marvel Fitness a été remis en liberté. Donc il a gagné son appel, en gros. Quelle délice. Le deuxième procès, c'est une petite victoire. Oui, c'est une petite victoire, mais il y a encore des trucs derrière. Genre là, le 2 juin encore, il y a encore un truc, un jugement au fond. À partir du moment où il a été remis en liberté, il a été présumé innocent. Bien sûr. Donc le 15 décembre, il a été reconvoqué au tribunal. C'est ça, pour de la bagarre. Voilà, pour de la bagarre encore. Dans les plaignants, il n'y avait que Laura Lys qui était présente. Yes. J'avais cru voir sur. C'est bien ça, c'est bien ça. Marvel Fitness. C'est bien ça. Non, Free Marvel. Free Marvel, c'est bien ça. N'hésitez pas à ajouter, c'est là-bas où on a toutes nos infos et on vous les retransmet à vous parce que c'est une affaire qui nous concerne, hein, c'est la liberté d'expression. Pimous aime bien tacler sur les réseaux. Un jour, on vient taper à sa porte pour harcèlement. Alors que. Marvel vient à son secours. C'est vrai. Bah, je vais leur montrer. Hop, je vais switch la scène. Bah, là, on vient d'apprendre que Juan Branco, c'est l'avocat qui a repris l'affaire, le plus bel homme de cette planète. Il est trop beau. Il est trop frais. C'était l'avocat des gilets jaunes, donc tous ceux qui soutiennent la cause. C'est ça. C'est un vrai bon. Et il a annoncé en gros que Marvel pouvait republier sur ses réseaux. Ça y est. Marvel Fitness est à nouveau autorisé à poster des vidéos et à intervenir sur les réseaux sociaux. Et moi, il sourit, il est content. Ah, c'est son retour. J'imagine la première vidéo qu'il va sortir à son retour. Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va rigoler. Tu le sais qu'il va rigoler déjà. Il va lancer la caméra, il va rigoler tout seul. Peut-être qu'il va vouloir apaiser le truc, puisque déjà, bon, il est présumé innocent, mais il est toujours pas innocent tout court. Non, il est pas innocent tout court. Il est pas innocenté tout court. Il est dans la tête de ceux qui le soutiennent, il l'est aussi, mais il doit encore le prouver. Lors du prochain jugement, le 3 juin, le 2 juin. Donc il y aura encore une bataille. On a le temps d'avoir des vidéos. En gros, c'est un match de Ligue des Champions. Premier match, ils l'ont perdu. Deuxième match, ils l'ont gagné. Là, il y a la finale, là, le 2 juin. C'est ça. J'ai même l'impression que c'est un match de tennis. Il y en a, il envoie la balle, l'autre, il renvoie. Et ça renvoie. Mais c'est long. Ça s'arrête quand, c'est long, la justice. Un an, l'affaire. Ouais. Et en fait, il y a trop de pièces. Et les pièces, ils savent même pas les ressortir. Non. Parce que moi, un truc qui m'a fait rire, c'est que même. Ça a été publié sur Free Marvel ou je sais plus, mais il y en a un qu'en gros, il y a mis 4000, 8000 pièces, on en a jamais vu. 4000, 8000 pièces, ils en ont pas sorti une seule. Zéro. Ouais. Elle a dit, oh mais ils sont à mon bureau. Les nouveaux avocats de Marvel, ils ont bien travaillé. Bien sûr. Ils ont bien fait comprendre au juge qui comprend rien à l'histoire qu'on ne peut pas accuser Marvel que d'autres personnes insultent les plaignants. On sait pas si Marvel a une influence sur eux. On peut pas savoir. Mais même, c'est leur volonté à eux, c'est pas Marvel qui... Voilà, c'est bon, c'est leur volonté, mais ils sont cons. Et ça, en justice, à le prouver, c'est dur. Donc Marvel, il a ses chances. On espère ne pas lui porter l'œil, mais il a ses chances. Bien sûr. En tout cas, là, le principal, c'est qu'il est chez lui, ça fait un petit moment maintenant. Et en plus de ça, il va avoir le droit de reposter des vidéos. Ça va être la bagarre de ouf. Pourquoi tu rigoles, c'est que ça va être la bagarre. Ça va être un dégât. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je veux qu'on imagine, je veux que vous imaginez, vous mettez dans les commentaires. La première vidéo de Marvel, le titre putaclic qui va nous mettre. Tu sais que pour les titres putaclic, c'est bien début, sûr, je me c'est suis lui, inspiré. Bien sûr, c'est Fitness Fusion, les titres que vous voyez depuis un moment là, où on essaie de faire le buzz avec les titres, c'est Marvel, l'inspiration. Moi, je dis juste, on est déconfiné. À tout moment, je viens comme ça à la porte de Marvel. Alors, on est libre. C'est maintenant Marvel le feat. On t'attend, nous, depuis un moment là. On a combattu pour toi, on veut un feat. En vrai, là, Marvel, si t'as le droit de faire des vidéos, on a jusqu'au juin. On a 6 mois. Pour me faire une séance d'entraînement ensemble. Si t'as le temps avec tout ce que t'auras à faire, franchement, nous on vient, on débarque sur Paris. C'est Spoder qui a mis ça, c'est Free Marvel qui avait tweeté, enfin qui avait mis sur Instagram, ça parle de 4000, 6000, 8000 pièces, incapable d'en sortir une seule devant les juges. Mesquine.
Moi, je pense qu'il va. La hadla, c'est parti. Non, moi, je pense qu'il va se calmer là-dessus parce que bah, il a dû comprendre que ça peut le mettre dans la merde. Je pense qu'il va faire une vidéo retour et il va annoncer qu'il est de retour sur les réseaux. Il est là. Oh, c'est... La vidéo de j'attends, c'est mon expérience en prison. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Ah là là. Oui, j'ai analysé. Il y a à peu près 33% de dopés dans les prisons. J'espère qu'il s'est bien entraîné hein, parce que. Parce que les 30 minutes de sieste en pleine pompe, là, on s'en souvient très bien. Donc, moi, l'idée de vidéo, c'est mon expérience en prison. Ouais, mais moi, je pense que ça peut être bien. Si, par exemple, il gagne le procès à la fin. Je pense que c'est mieux pour lui de pas en parler non plus. Je crois qu'il parlerait non. plus jamais d'Aline, de Tristan. Pour moi, s'il gagne le procès, et qu'en plus, il attaque le parti adverse, et que c'est lui qui gagne, il a tout gagné, il n'y a même pas besoin d'en parler. Il y a juste à faire le mec hautain, il a gagné, il en parle même pas, il fait le mec, et c'est parfait. De toute façon, s'il gagne, ouais, je pense qu'il y aura revanche. Hein. Parce que s'il gagne et qu'il fait une vidéo et qu'il en parle, ils vont être capables de l'attaquer là-dessus. Pendant 5 ans, on va parler de Marvel Fitness sur la chaîne Fitness Fusion. Le plus intelligent pour lui, c'est de gagner et de plus rien faire derrière. Ouais, mais il sera toujours embêté de cette histoire. Ses abonnés vont toujours lui demander. Il ignore, il le dit, je peux pas en parler, c'est tout, ils vont comprendre. Hein. Bon, on va attaquer quelqu'un bientôt, non? On va attaquer des. Il y a des gens qui font des pompes et tout là. Des pompes. Des pompes dans tous les sens, des pompes bizarres. Des... Non, déjà, non, c'est parce que c'est trop facile. C'est pas un combat loyal. Et pourquoi on attaquerait? On est fun, on n'est pas là pour faire des problèmes. Oui, bien sûr, ce sera toujours gentil, bien sûr. Toujours, on a été à la bonne école, c'est du troll. On devait pas poster de vidéo, on devait revenir à l'ouverture des salles, les gars. On est sur de gros projets. Très, très, très gros projets. On travaille beaucoup, on essaie de se dégager du temps, donc on arrête de faire des vidéos pour pouvoir bosser là-dessus. Ça arrive, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, et là, on a décidé de stopper les vidéos pour justement finaliser le projet parce que ça pouvait plus attendre. Ça fait des mois qu'on est dessus en fait. Et ça faisait un moment qu'on devait faire tout ça et ça arrivait jamais parce qu'on n'avait pas le temps. Je travaille, on fait dégageait... les vidéos en plus. On se dégageait une heure par-ci, une heure par-là, c'était trop compliqué. Il nous fallait une journée complète pour bosser dessus, voire plus, donc pas possible. Voilà, donc là on n'arrête pas, on avance bien, c'est bientôt terminé. Bien. Vous allez être content de ce qu'on vous a fait. Ouais. Franchement, on a bien travaillé les gars et on revient avec une prochaine vidéo. Et des grosses vidéos approximativement vers janvier, donc soyez patients, activez la cloche pour pas la rater celle-ci parce qu'elle va être lourde. Il y a des surprises, il y a des nouveaux jeux, des nouveaux concepts, vous allez kiffer. Des nouveaux problèmes du fun, beaucoup de fun sur Fitness Fusion, vous le savez, donc restez branchés. Force Wakanda, la FF, on revient très vite. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio. Force et fun. Moi, je montre pas mes biceps, il y a plus rien. Ah, c'est vrai qu'on finit en fait.